l'esprit. Mais pour qu'on soit aujourd'hui comme ça à chair et à l'os et à l'esprit, il fallait que Dieu lui-même puisse accorder ses grâces. Amen. Alors c'est pour cela nous allons accueillir la foi de Dieu. Amen. Amen.
Seigneur. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle de ce moment. Tu disposes toutes choses. Seigneur, tu changes l'atmosphère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu dis Seigneur dans le nom de Jésus. Je déclare à la sirène des eaux. Je déclare à la sirène des eaux que ton règne est terminé dans cette nation. Il ne faudrait pas que tu passes à côté, mais il faut que tu sois dans la révélation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va passer à la parole. Je vais prier pour la parole. Père, je te dis merci pour ta parole. Merci parce que cette parole qui est ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli son effet dans la vie de tes bien-aimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu disposes les cœurs. Merci pendant que la parole est en train de passer. Pendant que la parole est en train d'être annoncée, je vois le diable maintenant trembler parce qu'il a vu sa défaite. Je vois les démons tomber parce qu'ils ont vu la défaite. Et ils savent qu'il y a des corps qui vont lâcher aujourd'hui. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est le terminus au nom de Jésus. Parce que le roi des rois est venu. Il va récupérer les corps. Il va récupérer les corps pour faire de ça son temple. Merci, parce que ta parole est vivante. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et dans le nom de Jésus, je vous salue tous dans le nom de Jésus et je vous aime. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ma fille, la servante Brigitte. Amen. La prophétesse Brigitte, qui a permis que ce soit aujourd'hui, j'ai l'occasion. Amen. Je pense que Dieu l'a touchée pour que je puisse venir devant vous, alléluia, pour vous parler de la part du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur, sa vie. Amen. Je bénis la vie aussi de Papa Robert, alléluia, qui est son mari. En tout cas, Papa Robert, je vous aime, toi et Maman Brigitte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour tout le travail que vous faites dans cette nation. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur est avec vous et il ne vous lâchera pas. Alléluia, parce que vous êtes en train de partir. Bâtis l'édifice du Seigneur pour le royaume des cieux. Amen. Donc je vous bénis, c'est vraiment de mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse, assemblée de Dieu. Amen. 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 Donc je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu, mon mari qui est là. Amen. Amen. On va prendre notre Bible. Le thème de ce programme, c'est quoi? C'est qui roulera la pierre. Amen. Qui roulera la pierre? On va prendre Jean 11. Alléluia. Qui roulera la pierre? C'est une question. On demande qui roulera la pierre. Cette pierre-là qui est posée devant toi. Cette pierre-là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Mais qui est-ce qui va venir rouler cette pierre-là? Amen. Je vais vous parler de celui-là qui s'appelle Jésus, de celui-là seul que Dieu a mandaté. Lui seul est digne de rouler cette pierre. Amen. Amen. Donc, c'est notre ami. Là, il est parlé de la résurrection de Lazare. Amen. Et la Bible dit, déclare que Lazare était l'ami de Jésus. Lazare et ses soeurs étaient l'ami de Jésus. Amen. Amen. Donc, quand je vous parle d'amis,
voyez un peu, je vous parle de la vraie amitié. Ce soir, je ne suis pas là pour vous parler de l'amitié des hommes. Alléluia. Cette amitié des hommes qui n'est pas garantie. Je ne te parle pas de l'amitié des bouts du lèvre, mais pas dans le cœur. Amen. Je te parle de la vraie, la réelle amitié. Amen. Amen. Ton nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ton nom, c'est Jésus. C'est lui seul qui a la capacité de rouler cette pierre-là, placée devant toi. Et cette pierre-là qui a pour but de t'empêcher de sortir du tombeau. Cette pierre-là qui t'a retenu dans le tombeau, qui t'a bloqué dans le tombeau. Alléluia. Amen. Ces problèmes que tu as, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis ton enfance. Amen. Depuis ton enfance, cette pierre s'est placée devant toi. Et cette pierre-là a décidé, coûte que coûte, de te bloquer jusqu'à la fin de tes jours. Mais cet après-midi, je t'apprends une bonne nouvelle. Je t'apprends que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas une pierre qui va empêcher Jésus de se manifester. Ce n'est pas les problèmes que tu vis qui vont empêcher Jésus de se manifester. Alléluia. Quel est ton problème cet après-midi? Ton problème n'est pas un problème. Regarde ce problème-là comme un petit problème. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui vas résoudre ce problème. Amen. Si c'était toi, alors j'avais dit que c'était difficile. Mais comme ce n'est pas toi, c'est Jésus, alors regarde ce problème comme si, en tout cas, c'est vaincu d'avance. Amen. Amen. Donc c'est Jésus qui va rouler cette pierre. C'est lui qui est notre ami. C'est lui qui est notre alliance. Alléluia. Il est l'époux. Il est notre époux et nous sommes l'époux. Cette alliance, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il plaide pour toi, alléluia. Faut pas penser qu'il t'a oublié. Faut pas penser qu'il t'a rejeté. C'est nous les hommes qui pouvons rejeter. Mais Dieu, il ne peut pas nous rejeter. Une femme même et son mari, ils peuvent se laisser, ils peuvent faire la guerre un moment. Alléluia. Dis que je ne t'aime plus. Aujourd'hui, je t'aime, demain je t'aime plus. Amen. Même dans le jardin d'Éden, quand Adam, elle avait péché. Et que le Seigneur est venu, quand le Seigneur a commencé à parler, Adam a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Donc l'accusation déjà, lui qui disait, voici la chair de ma chair, lui qui disait, oh, ton plan est merveilleux dans ma vie aujourd'hui, il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc l'homme, je ne vous parle pas de l'amitié de l'homme, c'est l'amitié de Dieu. Cette alliance-là, si toi l'homme, tu n'as pas brisé cette alliance-là, Dieu ne peut jamais briser ça. Amen. On va parler cet après-midi. Donc écoutez bien, il s'appelle Jésus. Amen. Ce Jésus-là était l'ami de Lazare. Il était l'ami de Lazare. La Bible déclare que il allait avec ses disciples dans un lieu pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et il se trouve que son ami Lazare, qu'il aimait tant, est décédé. Amen. Et la Bible déclare que les soeurs de Lazare ont envoyé des gens pour appeler Jésus. Et il a pris son temps. Il a pris son temps. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas, il ne l'aimait pas ou bien il ne voulait pas faire quelque chose. Il a pris son temps. Il a dit cette maladie, cette mort-là, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il n'est pas mort, mais il dort. Alléluia. Amen. Il dort. Donc, comme il avait la révélation, il savait que Lazare dormait. Il avait la révélation parce qu'il était en connexion avec le Seigneur. Donc, il avait cette révélation. Il savait qu'il n'était pas mort. Amen. Donc pourquoi se troubler? Pourquoi se lamenter? Toi qui as la révélation, toi qui viens à l'église, on t'a parlé, la prophétie est sortie. La révélation est sortie. Le Seigneur t'a dit, ce que tu vis là, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour la gloire, que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Pourquoi tu es troublé? Amen. Tu as reçu la révélation. Tu es troublé pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu te dis Dieu n'est pas avec moi. Tu te lamentes. Est-ce qu'il m'écoute? Il t'écoute, je te dis, il t'écoute. Amen. Il t'écoute. Il les a laissés. Il a fait deux jours. Il ne les a même pas écoutés. Il a dit à ses disciples, allons en Judée encore. Ses disciples étaient étonnés. Ils se disent, mais lui qui est son ami, on lui parle et c'est comme s'il s'en fout de ça. Jésus ne s'en fout pas de ton problème. Amen. Il est là et il veille sur toi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore intervenu que tu penses qu'il n'est pas avec toi. Il a déjà intervenu dans le spirituel. Amen. Amen. Lazare était mort, mais dans le spirituel, il n'était pas mort. Amen. Toi qui es là, si
n'es pas charnel et que tu es spirituel, tu vas savoir ce soir-là que ton problème là est déjà résolu depuis tout longtemps. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une femme qui avait le boîte. Le boîte, c'est les trucs qui enflent la gorge. Elle avait le boîte. Et cette femme-là, elle partait à l'église. Chaque jour, elle priait. Seigneur, merci de ce que tu m'as libéré de ce boîte. Seigneur, merci parce que ce boîte a disparu. Au nom de Jésus, les frères et sœurs de la maison de Dieu de l'église ont commencé à se moquer un moment donné. Ils se sont dit, toujours c'est la même prière. Quand tu pries, elle se lève. Oh Seigneur, c'est elle qui prie plus que les autres, plus fort. Seigneur, merci parce que le boîte a été éroté depuis longtemps. Au nom de Jésus. Elle est spirituelle. Elle avait vu ça déjà enlevé. Alléluia. Quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu ne vois pas comme les autres. Quand tu marches par l'Esprit de Dieu, on te moque de toi. On te prend pour un fou. On te prend pour un père. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Que tu n'es pas fou. Alléluia. Pour Jésus. Les choses de Dieu sont comme la folie pour les gens charnels. Alléluia. Dans la maison de Dieu, on est tous là. Mais ce n'est pas tout le monde qui marche par l'Esprit. Voilà pourquoi on ne comprend pas les autres qui marchent par l'Esprit. Alléluia. Elle prie, ses frères et ses soeurs se moquent d'elle. Pendant qu'elle prie, ils se moquent d'elle. Toujours c'est la même prière. Et un moment, quand elle est là-bas pour prier, les gens se font les signes. Alléluia. Un dimanche, c'était la même prière. Après le culte, elle a prié, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Après le culte, elle va saluer, mais elle ne s'est même pas rendue compte. Elle s'en va saluer les bien-aimés. Soyez bénis, boîte a disparu. Amen. Boîte n'était pas là. Et les gens disent, hé, mais il n'y a plus de boîte. Elle dit, elle-même, elle savait même pas, mais qu'elles ont dit, elle dit, mais vous, c'est maintenant vous voyez. Il y a longtemps que j'avais vu ça. Amen. Alléluia. Depuis j'écris, merci parce que. Moi, t'es enlevé là, vous, c'est maintenant. Amen. Amen. Elle était là. Et vraiment, c'était vraiment un témoignage poignant. Amen. Depuis, tes problèmes ont été résolus. Mais quand tu vois physiquement, tu penses que ça y est encore là. Si ton mari est parti, ton mari va revenir. Il est en chemin, il est en route. Amen. Il arrive, crois-le. Alléluia. Amen. Il est en route parce que c'est Dieu qui va l'envoyer. C'est Dieu qui va l'attirer. C'est Dieu qui va créer des problèmes là où il est parti. Là. Amen. Donc tu pries tout par celui qui te fortifie. Amen. Celui qui te fortifie, c'est Christ en vendant toi dans ses mains. Alléluia. Tu apprends à chercher des solutions. Tu appelles en Afrique, tu appelles les prophètes, tu appelles les apôtres, tu appelles les archibishops. Partout dans chaque nation, tu as un homme de Dieu. Tu as ton calendrier rempli. Alléluia. Parce que tu les appelles, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux une révélation. Tu veux qu'on te dise quoi encore quand Dieu t'a pas dit. Amen. Amen. Alléluia. Donc arrêtons. Tu as un problème, tes problèmes. Tu prends une carte, tu appelles au Congo. Tu prends une carte, tu appelles en Côte d'Ivoire. Alléluia. Parce qu'ils sont là-bas qui pourront résoudre tes problèmes. Même si c'est un marabout, la Bible déclare que malheur à celui qui se confie à un homme. Alléluia. Amen. Le marabout ne peut rien faire pour toi. On veut te déporter. Le marabout, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Confie-toi à l'Éternel. Amen. C'est lui qui va toucher le cœur des autorités, des gens de l'immigration. Amen. Si tu continues à te confier à un homme, je t'apprends ce soir que tu vas échouer et tu échoueras toujours. Voilà pourquoi ce soir, quand tu as mis ton espoir à un homme, je te dis ce soir, arrête de te confier en l'homme. Alléluia. La Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs. Oui, voilà ta maman qui est là. Voilà la servante de Dieu qui est là. Elle prend soin de toi. Elle prie pour toi. Tu te confies en elle. C'est normal parce que Dieu l'a établi pour ça. Mais arrête de courir partout. Arrête de prendre prophétie. Amen. Tu prends les prophéties. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Tu prends les prophéties, mais tu n'as même pas la crainte de Dieu. Amen. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Et tu veux que les choses changent. Pour que les choses changent, il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Lazare avait la crainte de Dieu. La Bible déclare que c'était l'ami de Dieu. Est-ce que ce soir, quand tu sors dans ton cœur, est-ce que ce soir, quand tu te revois au plus profond,
choses des cœurs. Moi, je peux te voir. Tu peux être bien devant moi. Mais Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu fais. Alléluia. Quand tu vas de l'église, Dieu sait dans quoi tu es. Alléluia. Donc, il faut sonder ton cœur. Si tu n'étais pas l'ami de Jésus, tu vas sonder ton cœur. Et tu vas rebâtir, tu vas renouveler cette alliance. Parce que l'alliance est renversée. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tant que l'alliance est renversée, rien ne se passera dans ta vie. Tu vas prendre d'âge en âge. Tu vas vieillir, tu vas vieillir. Le mariage ne pourra pas se faire. Alléluia. Tu vas accuser l'église dans laquelle tu es. Il n'y a pas l'option. Non, je ne te parle pas de ça. C'est toi-même. Alléluia. Parce que cette relation avec Dieu n'est pas très bonne. Ce sont pas de qui roulera la pierre. Qui roulera la pierre? Donc avant de commencer, il faut qu'on commence par le commencement. Ce soir, tu veux que Dieu roule la pierre de ta vie. Dieu roule la pierre. C'est-à-dire la sorcellerie de ta famille qui s'est levée contre toi. C'est une pierre, alléluia, qui s'est mise devant toi. Qui t'a mené le blocage. Depuis que tu es venu dans cette nation, tu ne peux pas avancer. Tu tournes en rond. L'esprit des carrefous. Alléluia. Et tout tu reviens. Et tout tu reviens. Tu ne peux pas avancer. Pendant que ceux qui sont venus en frontière, ils ont du boulot. Ils ont leur papier. Je t'apprends que c'est la sorcellerie qui fait ça. Amen. Seul Dieu peut rouler ses sorciers. Alléluia. Il peut les rouler. De la même manière qu'il a dit, regardez, il a dit à ses enfants. Le peuple d'Égypte là. Regardez les parce qu'il ne verra plus jamais. C'est de cette même manière. Il va te dire ce soir, tu ne les verras plus jamais. Ce Goliath dans ta famille, ce baobab, il va tomber. Parce que tant qu'il ne tombera pas, tu ne pourras pas évoluer. Et après, tu vas murmurer. Tu vas murmurer de ton Dieu. Dieu est trop fort. Alléluia. Il a ressuscité Lazare. C'est pas toi qui ne peux pas faire quelque chose. Amen. Allons-y en Judée. Parfois Dieu tarde, pas parce qu'il ne te voit pas, mais il veut laisser en sorte que ton problème pourrisse, pourrisse bien, afin qu'il puisse se glorifier. Parce que Dieu n'était pas, il a dit, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le Fils de Dieu se glorifie. Amen. Donc les problèmes que tu vis là, c'est pour que Dieu se glorifie, c'est pour ça que Dieu fait en sorte que ça s'empile. Voilà pourquoi il a laissé Lazare, pour qu'il pourrisse bien. Parce que s'ils partaient le même jour, on se connaît, nous les hommes. Ils allaient dire, peut-être ils étaient dans le coma. Ça, c'est pas Dieu. Peut-être ils étaient venus s'évanouir. Alléluia. Vous avez laissé ça va bien pourri. Là, quand il va faire, personne ne va discuter. Après, quand tu dis, il va dire que c'est pour être. Il s'est évanoui. On a mis l'eau sur lui et puis c'est le. Si Dieu intervenait le même jour là, nous les hommes, incrédules que nous sommes, on va dire, ah, peut-être que son cœur n'avait pas encore lâché. Ah, donc, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Si Jésus là, il a fait vraiment. Comme il connaissait le cœur, voilà pourquoi il a laissé ça. Il a laissé ça bien pourri. Amen. Mais pas parce qu'il n'aimait pas Lazare. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Souvent, il laisse ton problème bien pourri. Les gens se moquent de toi-même. Les gens se moquent de toi. Ils te laissent en décomposition. Il aime ça. Il prend plaisir à ça. Dans ta décomposition, là, je te dis qu'il t'aime. Alléluia. Dans cette décomposition là, je t'ai dit qu'il est prêt pour moi. Il veut se glorifier. Afin que les gens sachent que ton problème là, c'était toi aussi, c'est pas Dieu là. En tout cas, ça ne pouvait pas se résoudre. On t'a vu comment tu souffrais ici. On t'a vu comment tu étais tout seul abandonné avec les enfants. On t'a vu dans ta solitude. Tu déprimais. Comme si tu allais la folie de t'allais te prendre. Mais aujourd'hui. Dieu va te restaurer. Et les gens connaîtront que c'est le Dieu de Lazare. Les gens connaîtront que c'est Dieu seul qui peut faire ça. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas les docteurs qui ont fait. Amen. Ce n'est pas les docteurs qui t'ont donné les tablettes pour pouvoir reprendre. Donc il a pris son temps. Il est parti. Arrivé là-bas, la Bible déclare que Marthe est venue vers lui. Marthe dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alors qu'il a déjà dit que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, le doute n'est pas bon. Ce soir, il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de le douter. Tu es assis là, tu es en train de dire, toujours c'est la même chose, toujours c'est la même chose. Mon problème ne change pas. Je te dis aujourd'hui que toi-même, tu vas venir rendre témoignage. Parce que le roi des gloires, c'est lui qui va faire, c'est pas moi. Je ne suis pas venu pour faire one man show. Alléluia. Je ne suis pas venu pour ça.
Parce que qui je suis moi? C'est Dieu celui à moi, celui qui m'a appelé. C'est lui qui va décompter ta situation. Alléluia. Donc je vois que tu vas prendre le micro ici et tu vas rendre témoignage dans les jours à venir. Dans les 3 mois qui arrivent, dans les 2 mois qui arrivent. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu accélère ta bénédiction. Dieu accélère ton miracle. Et je vois l'ange de Dieu déjà positionné pour toi. Alléluia. Je vois l'ange de Dieu déjà pour accomplir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Tu vas rendre témoignage ici. Alléluia. Donc ne doute pas. Tu es en train de dire dans ton cœur, repends-toi. Pendant que je parle, tu te connais. Repends-toi et continue à écouter. Et marche dans la vision de Dieu. Marche. Faut pas douter. Cette marque-là, elle est venue. C'était le doute. Si tu étais là. Si tu étais là, et puis il n'y avait aucune humilité. Mais la Bible déclare que Marie est venue. Elle est venue se prosterner aux pieds de Dieu. Ça, c'est une position d'humilité. Tu attends le toucher de Dieu. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Mais comment? Tu prétends que tu es humble. Alléluia. J'entends des chrétiens qui disent, Seigneur, ma situation, si tu n'arranges pas ça, moi je ne viens plus à l'église. Tu es responsable. Alléluia. Les gens qui sont responsables des départements. Point 8, point 9, ils abandonnent. Elles abandonnent. J'entends son ancien ministère, donc je sais de quoi je parle. Ils abandonnent, elles abandonnent. Seigneur, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi mon problème a trop duré. Depuis là, j'ai pris, j'ai fait tout. Et ça ne marche pas. Donc moi j'ai décidé de ne plus venir à l'église. Dieu là, en tout cas, je suis fatigué. Alléluia. Tu es dans une position où tu attends quelque chose et puis toi. Tu n'es pas humble. Alléluia. Elle est venue marier avec se prosterner. C'est un signe d'humilité. Arrête de prétendre. Alléluia. Prends-toi ton cœur est chaud comme ça. Je ne viens plus à l'église. Oh, c'est toi qui fais la modération. Oh, c'est toi qui es responsable à la démonie. Oh, c'est toi qui fais quelque chose dans l'église. Et tu ne viens pas à l'église. Tu indiques à tout le monde. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas ça pour un homme. Tu fais ça pour Dieu. Ça. Alléluia. C'est à cause de ta situation que tu ne peux pas venir à l'église. C'est à cause de ta situation que tu abandonnes l'éternel. Je t'ai dit ce soir qu'il ne faut pas le faire. Amen. Parce que ta situation, la pierre a été déjà roulée. Il a déjà parlé. Il dit ce que tu vis. Ce n'est pas pour que tu souffres, mais c'est pour sa gloire. Cette prophétie-là, ça est là et ça va s'accomplir. Alléluia. Donc, même si le diable, tu vois le diable se manifester dans ta vie, faut pas abandonner ton assemblée. Faut pas abandonner l'église. Alléluia. Faut pas abandonner ton poste. Amen. Elle est venue, elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. Sois humble. Ne doute pas. Et tu vas recevoir. Alléluia. Et les juifs qui étaient là. Il y a d'autres qui ont commencé à parler, à murmurer. La Bible déclare que le Seigneur était troublé en lui. Parce que pendant qu'elle était en train de parler, elle s'est humiliée pour parler. Il voyait des gens pleurer par-ci, par-là. Et le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur, il fut troublé en lui. Lui, il a pleuré même. Et les juifs pensaient que c'est parce qu'il c'était à cause de Lazare. Non, il savait que Lazare n'était pas mort, donc pourquoi il a pleuré? Il va être troublé pourquoi? Toi qui as la révélation, que tu sais que ton problème, le Seigneur t'a dit que ton problème est déjà résolu. Le Seigneur t'a dit que tu vas rentrer dans ta bénédiction. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es troublé à toi? Arrête d'être troublé. Ce n'était pas à cause de Lazare, mais Jésus était troublé à cause de tout que les gens avaient. Ils sondaient les cœurs, ils voyaient que personne n'avait la foi, même Marthe n'avait pas la foi. Marthe n'avait pas la foi, elle qui recevait Jésus, elle qui connaissait Jésus, elle qui était amie de Jésus. Toi qui es amie de Jésus, tu es né, tes parents priaient, tu es depuis tout petit, tu vas à l'église. Mais tu doutes, tu ne le connais même pas. Amen. Tu as une alliance avec Dieu, mais tu ne le connais pas. Marthe, Lazare et Marie avaient l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu, le Seigneur partait, Jésus partait communier avec eux. Il partait manger avec eux. On ne peut pas manger avec son ennemi. On mange avec son ami. Donc ils étaient amis. Amen. Donc quand tu as un ami là, tu dois avoir foi en lui. Tu dois avoir confiance en lui. Parce qu'il y a une alliance entre toi et lui.
Un vrai ami, là, l'alliance qui est entre vous, là, fait qu'il ne peut pas te faire du mal. L'alliance qui est entre toi et Jésus, là, fait que, quel que soit le problème, quel que soit même l'armée de Satan qui va s'élever, quelle que soit une légion qui va s'élever contre toi, ils ne pourront pas te t'abattre. La Bible déclare qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Ils vont te combattre pour quoi? Ils vont te combattre pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de témoignage. Tu vas édifier qui? Si tu n'as pas de problème, qui tu vas édifier? Moi, si tu n'as pas de problème, tu peux m'édifier. Parce que là, je ne saurais pas que ton Dieu est capable. C'est ça. Ce sont des problèmes qui vont m'édifier, qui vont faire en sorte que je serai forte et je vais dire, ouais. Son Dieu existe. Il faut que j'accepte son Dieu. Son Dieu qui a fait ça pour elle. Parce que quand je regarde sa situation, c'était pourri, c'était décomposé. On l'avait enseveli. Alléluia. On l'avait crucifié. Mais quand je regarde, je vois que c'est ce Dieu. Et c'est ce Dieu-là. Je vais suivre ce Dieu. Je vais partir dans l'église où elle s'en va. Et puis la situation s'est décantée. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait des combats pour qu'il y ait des témoignages. Alléluia. Les Juifs pensaient que c'était à cause de Lazare. Non, c'était à cause du tout. Parce qu'il est allé communier avec eux. Il a eu de l'alliance avec eux. Il est resté avec eux. Il a mangé dans leur maison, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas de quoi il était capable. Et il a pleuré en lui. Et d'autres Juifs qui étaient en train de dire, ah, pourquoi est-ce que si c'était son ami, il va laisser son ami mourir? Pourquoi pas, pendant que parfois tu traverses des moments, il y a toujours des gens qui ne savent même pas ce qui est en toi et Dieu, qui ne savent pas ce qui se passe en toi et Dieu. C'est eux qui vont s'élever tous pour murmurer. Amen. Et ils ont dit, si c'était vraiment l'ami de Lazare, il n'allait pas permettre, n'est-ce pas lui qui a guéri, n'est-ce pas lui qui a ouvert les yeux de sa veuve, si c'était son ami vraiment. Donc eux-mêmes, ils doutaient de Dieu. Ils pensaient que Dieu était comme les hommes qui disent qu'aujourd'hui je t'aime, de mettre la Bible là. Ils ont comparé Jésus à un homme. Jésus, son lui est lui. C'est nous les hommes, que notre lui soit une autre, non soit non. Et puis on ajoute, on dit ce qu'on ajoute la vie du diable. Amen. Amen. Jésus n'est pas comme nous. Si c'était vraiment son ami, déjà se disqualifier. Amen. Parce que Jésus ne va pas dire qu'il n'est pas mort et puis il va être hypocrite. Le Seigneur n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc toi que le Seigneur a dit que tu es guéri, que ton problème est résolu, ne doute pas. Parce que quand tu doutes, tu pèches contre Dieu. Amen. C'est comme si tu es en train de dire que Jésus, il est menteur. Or la Bible déclare qu'il n'est pas menteur. En lui, il n'y a point de péché. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de parler. Donc, ça peut aussi dire que quoi? Ça peut aussi dire que si Lazare était vraiment l'ami de Jésus, il n'allait pas mourir. Peut-être qu'il a fait quelque chose. Peut-être qu'il a touché un médicament. Peut-être qu'il a fait arrêter. Peut-être qu'il a fait ceci. Parfois, quand les gens traversent les problèmes, arrêtez de murmurer. Vous ne savez pas. La personne est malade. La personne a un problème. Oh! C'est fini. Ils vont prendre le téléphone. Est-ce que tu sais que tel soeur, est-ce que tu sais que tel frère a un problème? L'immigration l'a attrapé. Ah, mais comment tu peux prier Dieu? Comment tu peux aller à l'église? Et puis l'immigration va t'attraper. Elle n'est pas claire. Peut-être qu'elle est dans le péché. Peut-être qu'ils vont parler. C'est ça les Congolais du Songhi, Songhi. Amen. Songhi, Songhi, arrêtez ça. C'est pas bon. La personne vit son problème, c'est personnel. Tu ne sais pas si le Dieu l'a mis dans le feu. Se glorifier. Tu as fait faire son vie, son cri, que tu vas avoir honte. Parce que Dieu va renverser la vengeance. Alléluia. Amen. Donc, faut pas te précipiter trop. Amen. Amen. Faut pas te précipiter. C'est en puissant Dieu. Il n'a pas péché, il n'a pas péché. Laissez les gens en paix. Amen. C'est Dieu qui le veut ainsi. Alléluia. Le Seigneur dit, oui, il est. Où vous l'avez mis? Où vous avez mis mon ami? M'a dit, Seigneur, viens et vois. Ça veut dire que viens, tu vas constater les dégâts. Il est pourri. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Les ennemis, ils sont déjà dit dans le secret que toi, ta situation est pourrie. Il n'y a rien, on ne peut rien faire. Ils sont en train de jubiler. Alléluia. Ils sont en train de jubiler. Ils se disent, c'est fini. Pour lui, c'est fini pour elle. Ils sont en train de danser.
que Jésus, il constate et il voit. Et il te dit que tu vas être ressuscité au nom de Jésus. Viens et vois, Seigneur. Viens et vois. Pour dire viens. Mais quand tu vas le voir, toi-même, tu seras découragé. Où l'a mis? Elle dit, il sent déjà, il est décomposé. Depuis 4 jours. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention divine. Si tu es resté là-bas, quand le 4e jour, il est venu, c'est l'intervention divine. Marie, tu es là dans la salle. Marie, je t'interpelle. Je t'interpelle. Tu as trop péché. Tu as trop douté. Pendant que je te parle, réponds-toi. Parce que tu n'auras rien du Seigneur si tu ne te réponds pas. Tu vas repartir d'ici comme tu es venu. Mais si tu te repens dans ton cœur pour le doute que tu as eu toutes ces années, le Seigneur te fera grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Viens et constate. Les gens ont voulu te tuer, ils n'ont pas pu. Les gens ont voulu t'ensevelir, ils n'ont pas pu. Les gens ont voulu te crucifier, ils n'ont pas pu. Alléluia. Garder ton nom par-ci. Te rouler dans la poussière par-là. Ils t'ont crucifié. Mais le Seigneur, c'est lui qui restaure les témoignages. C'est lui qui restaure l'image. Alléluia. On peut te crucifier. Dieu l'a crucifié, mais il n'est pas resté longtemps sur la croix. Alléluia. Amen. Dieu a un temps où il va te ressusciter. Il y a des ennemis qui subissent. Je vous dis, souvent nos problèmes commencent depuis l'Afrique. C'est là-bas. Parce qu'ils ont appris qu'on t'a donné, qu'on t'a marié, que tu as fait des enfants. Ils ont appris que tu as du boulot. Ils sont dans tous les états. Alléluia. Ils veulent t'ensevelir. Ils ont creusé même ta tombe. Mais je déclare ce soir que la tombe qu'ils ont creusée, c'est eux-mêmes leur propre tombe. Ce n'est pas le temps que tu sois enseveli. Voilà pourquoi Dieu est venu. Il a roulé la pierre. On dit qui roulera la pierre? Il dit non, Lazare, ce n'est pas ton temps d'être enseveli. J'ai besoin encore de toi pour que tu me serves. J'ai besoin encore de toi pour que tu partes dans les nations. Alléluia. Excusez-moi. Tu vas dans les nations. Il y a quelqu'un parmi nous ici. Dieu t'appelle à faire de nation en nation pour proclamer son évangile. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu vas faire en bas de la terre? Tu ne peux pas t'ensevelir. Alléluia. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Lazare. Qui veut, il ne veut pas. Même si tu t'ensevelis, Dieu va t'enlever de là. Parce que tu dois faire les nations. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a l'appel d'évangéliste. Qui a l'appel d'évangéliste. Alléluia. Mais je te dis cet après-midi que Dieu va prendre tes pieds. Le feu va prendre tes pieds. Que toi-même, tu ne pourras pas rester. Tu vas commencer à bouger. Faire les nations. Ça ne sera pas de ta propre force. Mais ça va être le Seigneur qui va te pousser. Amen. Le Seigneur va te pousser. Parce que tu as appelé, tu ne le sais pas. Tu as appelé, tu ne le sais pas. Et tu es assis là. Tu es assis là. Tu es enseveli. Tu es enseveli. Alléluia. Mais la mort n'est pas ton partage. Il n'est pas l'heure pour que tu sois enseveli. Voilà pourquoi la pierre sera roulée au nom de Jésus. Dieu veut que tu le sèves. Dieu veut que tu partes. Il est l'heure maintenant. Il est l'heure maintenant. Il est l'heure maintenant. Le temps est arrivé pour que tu sois dans les nations. Alléluia. Ça, ça peut t'appeler. Tu n'es pas appelé à mourir. Tu es là en train de mourir. Tu es en train de mourir. La dalle, ça vient. Chaque jour, il y a des couches de dalle. Jusqu'à quand? Tu es appelé à aller dans les nations. Tu es appelé à aller dans les nations. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Et il est venu. Il dit, roulez la pierre. Roulez la pierre. Amen. Elle dit, ils sont déjà, Seigneur. Ils sont déjà là. Dieu va intervenir dans ta vie. Tes ennemis pensent que c'est fini. C'est fini, son problème sent déjà. Tes ennemis, quand tu passes même, les gens frappent leur nez. Alléluia. On fait comme ça. On se fait comme ça. Tu ne sais pas. Les gens se pincent.
rempli de problèmes. Alléluia, mais je te dis que c'est toi que Dieu aime. Amen. C'est ça il veut. Ça. Il veut se glorifier pour fermer la bouche de tes ennemis. À jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il sent déjà, il sent déjà. S'il y a quelqu'un à côté de toi, il sent déjà. Il sent déjà. Alléluia. Il sent. Alléluia. Devant Dieu, tu ne sens pas. Alléluia. C'est dans ta décomposition là. Hein? On dit nous prendre la boue qui nous sommes, qui nous étions dans le péché, dans la boue décomposée. Il nous a pris aujourd'hui, il nous a établi. Alléluia, il nous a nettoyé par son sang. C'est ça qu'il aime. Les gens qui pensent que c'est fini pour toi et que ta vie est catastrophique et qu'on ne peut rien faire pour toi, j'insiste là-dessus. Je dis c'est faux, ils ont fait une erreur. Alléluia. Parce que Dieu aime ça. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Mais il est venu pour ceux qui sont malades. Amen. Pour ceux qui sont malades. Donc ce soir, si tu es malade, quand je veux dire malade, c'est-à-dire spirituellement tu es malade. Alléluia. Si toi-même ta vie chrétienne là, c'est clopant, ça veut dire que tu es malade. Tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à être dans la sanctification. Tu es malade. C'est de toi que je parle. Dieu est venu pour toi. Alléluia. On dit tu sens parce que tu es dans le péché. On dit tu sens parce que tu es comme un porc qui se roule dans le péché. Mais Dieu aime ça. C'est dans ça qu'il veut se glorifier. Parce que quand il va te transformer, amen, les gens diront, celle-là, façon elle était là, si elle a changé, c'est que moi je vais changer. Amen. C'est ça il aime. Alléluia. Amen. Il se glorifie dans ça. Voilà pourquoi il se glorifie dans la mort de Lazare. Il aimait bien ça. Donc ce soir, si tu es là, tu as les problèmes là, sois content, il faut jubiler. Amen. Faut pas te dire que le problème que tu as là, c'est fini pour toi, oh, c'est fichu. Et c'est terminé pour moi, tu appelles à ma fille, oh, c'est fini, oh, on m'a envoyé l'aide de refus, on va me déporter. Amen. Tu appelles toujours, tu prends une carte, tu grattes, tu n'es pas fatigué. Faut laisser les gens du pays. Et puis il faut te tourner vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui sont ici qui ont des marabouts. Alléluia. Je connais des gens qui sont dans des églises, ils disent qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Mais ils sont en Europe. Ils ont des marabouts. Jusqu'à des stades, des téléphones chez les marabouts. Alléluia. Téléphone chez les marabouts encore en Afrique. Là comme ça, quand la personne a appelé là, il n'y a pas trop d'intermédiaires. Tu n'as pas dit, va chez telle personne, il faut aller lui dire, comme ça la situation n'a qu'à voir s'il veut arranger. Non. La personne, c'est une email, elle installe, elle envoie l'argent au Seigneur pour installer le téléphone là-bas chez le marabout. Elle dirait là qu'elle appelle là, en même temps. Alléluia. Et ils disent, ils vont à l'église. Ce n'est pas normal. Arrêtons ça. Dieu te voit, toi qui fais ça. Arrête ça. Il faut être ami de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, il faut être ami de Dieu. Il ne faut pas être ami un pied dehors, un pied dedans. Alléluia. Sinon, le jour où tu auras des problèmes, lui aussi, il ne va pas intervenir. Parce qu'il intervient lorsque tu es son ami, lorsque tu as une alliance avec lui. Alléluia. Sinon, il va te laisser te composer. Tes ennemis auront raison sur toi. Amen. Amen. Il faut craindre Dieu. Amen. Il dit, roulez la pierre. Ils ont roulé la pierre. Amen. Ils ont roulé la pierre. Et le Seigneur a dit, Lazare sort. Il faut sortir. Mais quand le Seigneur a dit, Lazare sort, la Bible déclare qu'il a fait une prière. Amen. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a levé les yeux vers le ciel pour faire une prière. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Seigneur, comme je te connais, comme tu es mon Père, alléluia, je te connais. Et on a une bonne alliance. Je sais que tu ne vas rien me refuser. Amen. Tu m'as toujours donné ce que je veux. Voilà pourquoi si tu as mis à Dieu, Dieu va te donner toujours le désir de ton cœur. Quel que soit ce que tu veux, il va te donner. Il suffit de lever les yeux vers lui. Alléluia. Parce que Christ est l'intermédiaire. C'est lui qui est intermédiaire. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te voit au travers du sang de Jésus. Alléluia. Parce que s'il veut te regarder ton cœur, il ne va pas te bénir. Parce que Dieu même sait que ton cœur est mauvais, ton cœur est noir. Alléluia. La Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais. Il n'y a rien de bon. Amen. Excusez-moi. Il n'y a rien de bon dans
dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien de bon. Il sait que ton cœur n'est pas bon. Donc si c'était ça, il n'allait jamais exaucer quelqu'un. Mais c'est parce que quand tu ouvres la bouche, il regarde qui est en train de me demander ça. Dès qu'il regarde, il voit le sang de Jésus. Alléluia. Donc c'est Jésus qui est l'éternité. Voilà pourquoi il faut être ami à Jésus. Si tu es ami à Jésus, là, Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Ton mariage tarde à s'accomplir parce que tu n'es pas ami de Jésus. Donc il n'y a pas d'intermédiaire pour toi. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'intercesseur pour toi. Alléluia. Intercesseur pour toi. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui intercède pour toi. Il n'y a pas d'avocat pour toi. Quand Dieu te regarde, il voit la sainteté. Alléluia. Alors que c'est Christ qui doit être l'intermédiaire. Mais Christ qui doit être l'intermédiaire, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Tu as attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ont attristé depuis le Saint-Esprit. Il n'est même pas là. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas rester dedans? Jusqu'à quand tu vas rester comme ça? C'est dangereux, frère et soeur. Parce que au jour où tu as un problème, comment tu vas éteindre les traits de l'ennemi enflammé? Il y a des gens même qui sont là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diable même rit d'eux. Le diable rit d'eux parce que ils ne connaissent même pas Dieu. Dieu ne les connaît pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ils sont là. Ils prient, 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 prient pour leur sujet. Rien ne se passe. Alléluia. Rien ne se passe. Réconcilie-toi avec Christ.